for the audio, or you can even watch back. Giving players all the props, or put them on blast. We don't give no hot takes, only talk facts. We're giving all our devotion, riding high on this wave of emotion. Going all out, yeah, cause this is our time. No, ain't no stopping us till we reach the finish line. No, you know that we can hold it down. Shout out to my man Sammy, got it off the ground. And to all the listeners tuned in right now, got debates, analysis, and speculation. This is sports talk for the new generation. You know where to find us, got a reputation. Sick podcast, your number one sports destination. We're giving all our devotion, riding high on this wave of emotion. Going all out, yeah, cause this is our time. No, ain't no stopping us till we reach the finish line. All in, we came in to win. We're gonna give everything. S-I-C-K on the run. S-I-C-K, sick. On fire, we're ready to fight. We'll bring the house down tonight. S-I-C-K on the run. S-I-C-K, sickest podcast, tune in for the audio, or you can even watch back, giving players all the props, or put them on blast. We don't give no hot takes, only talk back. S-I-C-K, 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 for the audio, or you can even watch back, giving players all the props, or put them on blast. We don't give no hot takes, only talk facts. We're giving all our devotion, riding high on this wave of emotion. Going all out, yeah, cause this is our time. No, ain't no stopping us till we reach the finish line. All in, we came in to win. We're gonna give everything. S-I-C-K on the run. S-I-C-K, sick, sick. On fire, we're ready to fight. We'll bring the house down tonight. S-I-C-K on the run. S-I-C-K, sick, sick. Play it on the car ride, play it when you lounge. X and O, you know that we can hold it down. Shout out to my man Sammy, got it off the ground. And to all the listeners tuned in right now, got debates, analysis, and speculation. This is sports talk for the new generation. You know where to find us, got a reputation. Sick podcast, your number one sports destination. We're giving all our devotion, riding high on this wave of emotion. Going all out, yeah, cause this is our time. No, ain't no stopping us till we reach the finish line. All in, we came in to win. We're gonna give everything. S-I-C-K on the run. S-I-C-K, sick, sick. On fire, we're ready to fight. We'll bring the house down tonight. S-I-C-K on the run. S-I-C-K, sickest podcast, tune in for the audio, or you can even watch back, giving players all the props, or put them on blast. We don't give no hot takes, only talk back. S-I-C-K, 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 S-I-C-K. Turn up your volume, because you're about to listen to The Sick Podcast, CF Montreal Talk. Here's the chance, they've got the goal! Absolutely incredible! Cameron Porter
the goal. It's a Montreal impact into the CONCACAF Champions League semi-final. The Sickest CF Montreal Podcast. Brought to you by Energy Transportation Group. Driven to be different. Playground, your premier gaming destination. Complete Striker. And Enov Sport. De collaborer avec Enov Sport, une compagnie d'ici afin de dynamiser l'apprentissage et la pratique du sport pour tous et partout. Les différents produits permettent de rester actif tout en développant sa confiance, son autonomie et sa technique. Des produits efficaces, progressifs et personnalisés avec le logo de votre école. Enov Sport, pour tous et partout. It's gonna be sick, sick, sick. Bon lundi après-midi, Tony Marinaro ici, The Sick Podcast, CF Montreal Talk. On va parler du CF Montréal, mais plutôt aujourd'hui des joueurs du CF Montréal, parce qu'il y en a évidemment qui ont été rappelés par l'équipe nationale du Canada, qui ont joué un match grandiose pour se qualifier pour la Copa América. C'était samedi après-midi contre Trinidad et Tobago. Et ils ont été victorieux par la marque de 2-0 grâce à des buts de Kyle Larin et de Jacob Schaffelberg. J'invite Patrice Bernier pour se joindre à la conversation, évidemment, de Sick Podcast et présenté par Energy Transport, aussi par Playground, aussi par Enov Sport et aussi par le complexe Complete Striker d'Ali Gerba à Mirabel. Et, comme d'habitude, Patrice Bernier, il est là, il est présent, il était même là 10 minutes avant. Et comme d'habitude, je pense que Ali Gerba va se joindre à nous peut-être dans environ une trentaine de minutes. Peut-être. On se croise les doigts. Patrice, en anglais, we say with some things never change, hein? Il était même Ali, il était même quelques joueurs. On va lui donner Ali, il est sûrement sur le terrain en train de travailler avec les jeunes générations du futur, mais quand même, on l'attend. Là, tu as raison, OK? La raison pour laquelle il n'est pas là, c'est pas parce qu'il est paresseux. Loin de là, c'est parce qu'il travaille fort en train d'éduquer, en train d'enseigner des jeunes joueurs pour évidemment amener leur jeu à un autre niveau. Mais ça va te donner le temps à nous, Patrice, pour parler du Canada. Évidemment, un match sans lendemain pour eux autres. Tout le monde au Canada voulait cette victoire-là, évidemment. Tout le monde la voulait et ils l'ont eue. Mais je dois dire, là, il y avait des soirs froides. Là. Corrige-moi si j'ai tort, là, mais je peux pas parler pour le staff, mais moi, je suis prêt à dire qu'eux autres ne s'attendaient pas un 0-0 après 50 minutes ou 55 minutes. Est-ce que je me trompe, Pat? Qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, je crois qu'on sait tous que Canada est une équipe supérieure à Trinidad et Tobago. Donc, on s'attendait à une domination. Je crois qu'on s'attendait à ce qu'ils mènent. Mais tu l'as dit, la première mi-temps, même que si le Canada a eu des frappes, des tirs de droite à gauche, c'est le Trinidad et Tobago qui a eu la meilleure chance et qui a sûrement fait que Mauro Biello et tous les Canadiens étaient sous raideur parce qu'on avait un sentiment, est-ce que c'est ce que la Jamaïque, mais là, sous la forme de Trinidad Tobago, va nous faire. Mais they got the job done. Ils ont réussi à trouver la solution en deuxième mi-temps, des pieds de Kyle Larin, meilleur marqueur de l'histoire du Canada, et de se qualifier parce qu'on sait que c'était important d'être à la Copa América. Mais tu as raison, c'était pas un match facile pour le Canada et c'était pas le meilleur match, mais des fois il faut juste trouver la façon de gagner et le Canada l'a fait. Bravo au Canada et à Mauro Biello. Patrice, quand tu es supérieur sur papier, évidemment, tu enlèves des options à l'autre équipe. T'sais, quand tu es supérieur, tu as plus de qualité, tu t'attends déjà que toi, tu vas avoir le ballon plus de temps que l'autre équipe. Donc, eux autres, ils ne peuvent pas rentrer dans le match de Trinidad et Tobago pour se dire, t'sais, on va gagner la possession du ballon. Ça, c'était impensable. Donc, eux autres, ils se disent, on met beaucoup de joueurs en arrière, on joue avec un low block, comme on dit, on essaie de donner sur ce qu'on va donner, on va donner de l'extérieur ou de plus de 25 verges,
25 mètres. Et nous, on va essayer de trouver l'opportunité pour jouer un long balle ou deux. On va essayer de jouer des longues balles en arrière du défenseur central, essayer d'utiliser la vitesse, essayer un contre-attaque, un long balle, sauter des lignes pour avoir un ou deux occasions de marquer. Puis si on les a, on doit marquer. C'était ça leur plan de match. Je pense que le Canada savait que ça aurait été ça leur plan de match. Comme tu dis, le Trinidad et Tobago, à un ou deux occasions, ils ont failli brûler le Canada à un moment donné. Mais l'équipe qui était meilleure a gagné le match, c'est le Canada. On va regarder le 11 partant, Pat. Parfait. Mes lunettes, là. OK, Crépeau dans les buts. Défense à trois défenseurs centrales. Waterman, qui a Johnston à sa droite et Kamal Miller à sa gauche. Je veux arrêter là, si je peux, pour deux secondes, Pat. Oui. Évidemment, c'est tous des anciens joueurs du CF Montréal. Puis il y en a un qui est un joueur actuel, qui est Joel Waterman, évidemment. Mais ça fait de quoi, hein, de regarder l'équipe nationale qui joue un match sans lendemain. Le gardien but, c'est un ex-gardien but du CF Montréal. Le défense, toute la ligne défensive, les trois défenseurs centrales sont des gars qui jouent ou ont joué pour le CF Montréal. C'est quelque chose, là, Pat. C'est quelque chose. Ben oui, écoute, sincèrement, c'est fort probablement une première. C'est que autant de joueurs sont issus de l'impact du CF Montréal. Et donc, c'est une fierté de dire que, ben, un, le CF Montréal contribue à l'équipe nationale. Parce que n'oublions pas, Ismaël Koné, il a joué pour le CF Montréal. Samuel Piette, il était sur le banc avec Mathieu Choignard et Jonathan Sirois. Donc, plusieurs membres ou anciens membres du CF Montréal. Mais ce que je veux donner crédit à Mauro Biello, c'est qu'il a aligné trois joueurs à la ligne de défense qui se connaissent, qui ont joué ensemble. Même s'ils ne sont plus dans la même équipe, ont eu quand même deux années à peaufiner de la cohésion, du synchronisme, quand peut-être qu'il aurait pu mettre quelqu'un d'autre, défenseur central. Mais il a mis Waterman, Miller, Alistair Johnson, et avec Maxim Crépeau, mais oui, CF Montréal était bien représenté dans la ligne défensive, mais je dirais la ligne, les défenseurs, les trois, Mauro Biello est allé avec du monde qui ont, tu sais, on le sait, Tony, quand tu regardes des équipes nationales, même en club, ce qui ne bouge pas souvent, c'est la défensive centrale, parce qu'on veut des joueurs qui se connaissent, qui ont une cohésion, qui communiquent ensemble, qui se connaissent. Et c'est pas pour rien que dans des clubs nationaux, souvent les deux défenseurs centrales ou les trois proviennent souvent de même club quand ça va bien, ces joueurs-là au même club. Et Mauro Biello, ben voilà, il a mis Waterman, Johnston, Miller ensemble. Et puis Crépeau, ben, développe à être le numéro un. Il a été choisi devant Dane Sinclair et Jonathan Sirois. Et potentiellement serait le numéro un. Reste à voir, mais selon ce premier indice, il est le numéro un. Chapeau CF Montréal. Je dirais chapeau à Mauro Biello d'aller mettre du monde qui se connaissent, qui avait une cohésion et qui est pour solidifier cette défense, même si on a beaucoup d'atouts offensifs pour le Canada. Patrice, avec tout le respect que j'ai pour ces défenseurs centrales, on va se dire les vraies choses. Ce n'est pas juste nous qu'on le dit, c'est tout le monde entier. Tu regardes l'équipe sur le papier, Crépeau dans les buts, encore une fois, Waterman avec Johnston à sa droite, puis Miller à sa gauche. Comme piston gauche, tu as Davis. Comme piston droit, tu as Buchanan. Tu as Koné ou Shtakio avant la ligne de défensive. Puis en attaque, tu as Ugbo et avec David à sa droite, puis Larraine à sa gauche. La position la moins forte de cette équipe nationale-là, c'est les défenseurs centrales. À environ 50 mois de la Coupe du Monde 2026, est-ce que ça te fait peur? Est-ce que ça fait peur? C'est drôle, c'est l'ironie, parce que le Canada a toujours été reconnu pour former des défenseurs et des gardiens de but. Et maintenant, c'est des attaquants et des joueurs offensifs qu'on a, à la pelleter. Et on se questionne, est-ce que notre défensive est assez solide pour se mesurer à ce qui s'est fait de mieux dans le monde? Pas juste en CONCACAF, dans le monde. C'est là que, ben écoute, ils vont être mesurés. C'est pour ça que je dis, c'est intéressant de voir qu'ils mettent trois joueurs qui ont joué ensemble au CF Montréal. Parce que même si, sur papier, ce sont trois défenseurs d'MLS, trois défenseurs qui ne jouent pas nécessairement dans les grands championnats, parce qu'on regarde Davies, Buchanan, David et compagnie, ils sont quand même en Europe, soit dans les grands championnats, soit même dans des gros clubs.
La défensive, c'est le point d'interrogation du Canada. On ne va pas se mentionner caché. Même, je pense, à la Coupe du Monde 2022, on s'est dit, ouais, on attaque bien, mais est-ce que notre point faible, c'est la défense? Voilà pourquoi j'ai trouvé ça intéressant qu'ils mettent des gars qui ont joué ensemble. Fait que même si c'est peut-être le point moins à améliorer, c'est au moins trois joueurs qui se connaissent. Et là, la complémentarité peut jouer, peut améliorer le sort d'une équipe dans la communication, dans le travail ensemble, de se pouvoir se couvrir et coulisser et compagnie. Mais oui, là, on arrive à une ère où ce que le Canada, ben, c'est plus des défenseurs centraux qu'on semble former, que c'est ça notre solidité. Notre solidité, c'est de savoir qu'on a beaucoup de joueurs offensifs et de qualité offensive. Et on a quand même Moïse Bombito qui est sur le terrain, mais il n'y a pas autant d'expérience en défense. Et là, on va voir, ben, c'est dans cette charnière centrale que le travail doit être fait, mais surtout le bloc organisation. Parce que je vais parler de CONCACAF et le reste du monde. En CONCACAF, le Canada doit trouver une vraie réalité. C'est que là, on ne t'attend plus. On sait que tu as de la vitesse offensive. Donc, les équipes comme Trinidad Tobago, comme Jamaïque, vont attendre parce qu'ils ont peur d'Alfonso Davies de leur donner l'espace des Tejan Buchanan, Jonathan David et Kyle O'Hara. Donc, il va falloir être mieux en CONCACAF dans la possession, dans les combinaisons, dans l'animation offensive. Mais quand on va affronter, parce qu'on s'en va à la Copa América, les grandes équipes, ben, on va peut-être probablement défendre plus parce qu'on est 40e au monde et il y a des équipes qui sont beaucoup meilleures, ils ont beaucoup plus de talent, ils ont beaucoup plus de qualité au niveau de la possession et de savoir mener le jeu. Donc, c'est là que le Canada doit apprendre à jouer en CONCACAF d'une certaine façon et de s'ajuster parce que sûrement contre le reste du monde, elle n'aura pas cette domination qu'elle va avoir en CONCACAF. Un peu comme nos amis mexicains, américains, très bons CONCACAF, mais ce n'est pas la même réalité quand tu vas jouer contre la France, l'Allemagne, l'Espagne et compagnie, où ce que ces équipes-là ont tendance à te dominer plus qu'autre chose. Patrice, sur le banc, il y avait Sinclair, gardien but, évidemment, Sirois, gardien but, Luc de Fougerolles, qui a fait son début avec l'équipe nationale, ce qui est très important. Ils l'ont fait rentrer à 3 minutes de la fin, Pat, parce que, corrige-moi si j'ai tort, mais en voyant qu'il était, le terme anglais, c'est « cap », ça veut dire là qu'il est propriété de Soccer Canada pour les prochains 3 ans, n'est-ce pas? Oui. Disons que c'est des choses que sous l'ère John Herdman et maintenant Mauro Biello, des choses qu'on ne prend pas pour acquis. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que tout le monde se rappelle de Azmir Bergovic? Oui, un gardien but qui a joué en Premier League, qui a joué et représenté la Bosnie, mais qui a quand même été formé au Canada dans les équipes jeunes. Bien, il y avait la chance de le, comme on dit, « cap tie », ça veut dire être sélectionné dans un match de qualification Coupe du Monde ou un tournoi international, dont la Nations League. Oui. On ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qu'il a fait des années plus tard ou une année plus tard? Il s'est retrouvé à la Bosnie, allé à l'Euro et a représenté la Bosnie au niveau international. Et là, ben, Fougerolles, il est là, il rentre quelques minutes, mais en même temps, on s'assure que maintenant, il va représenter le Canada. Si c'était un match amical, il aurait eu toujours la possibilité de jouer pour un autre pays, mais là, dans un match de qualification ou un match de tournoi comme la Nations League qui mène à la Coupe América, Luc Fougerolles sera un joueur du Canada. Et c'est un talent que, déjà là, ce n'est pas la première fois qu'il a été sélectionné, mais c'est bien du Canada de dire hey, « faites attention » parce qu'on a quand même plusieurs joueurs qui ont double nationalité. Et si on ne s'assure pas qu'ils sont propriété, comme tu as dit, du Canada, on peut les perdre si on ne leur démontre pas l'intérêt et surtout si on ne leur donne pas les minutes tout de suite et on enclenche le être sélectionné et être appartenir au Canada à temps plein. Malheureusement, écoute, il y a une erreur ici d'après ce que je vois. L'alignement de départ avec les joueurs sur le banc, ça a été donné courtoisie de One Soccer. Mais contrairement à ce qu'on voit sur le graphique, Junior Oilet n'était pas appelé pour jouer ce match-là. Donc, il y avait sur le banc Piet, Cornelius, Schaffelberg, Chouanière, Bombito, Fraser, Russell Rowe, Miller. Celui-là qui manque, là, c'était Theo Bear. C'était Theo Bear qui était là. Right? Et évidemment, l'entraîneur-chef, Mauro Biello. Patrice, la formation qu'on a vue, puis j'aimerais encore l'avoir à l'écran, s'il vous plaît, si je peux l'avoir, Shane, c'est le 3-4-3 qu'ils ont joué. Évidemment, ils ont joué le 3-4-3 pour faire face au Trinidad et Tobago en pensant que ce serait la meilleure formation pour battre cette équipe-là pour donner la qualification à la Coupe América.
Par contre, ça devient extrêmement important à 50 mois de la Coupe du Monde de peut-être jouer avec une formation, pratiquer avec une formation en particulier, et ça, c'est la formation que tu vas peut-être jouer la Coupe du Monde. Je vais te parler d'Alphonso Davies. Oui. Qu'on sait que c'est un des meilleurs latérales gauches du monde. Oui. Peut-être le meilleur, mais sur une liste de top 5 de n'importe qui est en train de passer de Bayern Munich au Real Madrid, que lui, quand il joue avec l'équipe nationale, il veut jouer dans un rôle plus offensif que latéral gauche. Même là, même avec son club, il ne voudrait pas jouer latéral gauche parce qu'il veut se porter plus en avant, il veut essayer de marquer des buts. C'est une situation assez particulière parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes nationales dans le monde, Pat, qui vont prendre un des meilleurs au monde à sa position et le faire jouer dans une autre position avec son équipe nationale. Comment tu vois cette situation-là avec Alphonso Davies qui, je dois dire, bravo Canada, ils sont qualifiés, mais tu aurais pensé que Davies aurait mangé les joueurs de Trinidad et Tobago samedi après-midi. Puis c'était loin de là, Pat. Loin de là. Oui, c'est une situation particulière avec Alphonso parce que pour replacer tout le monde, il a joué au Whitecaps de Vancouver. Il a été formé comme ailier. Il a été transféré au Bayern Munich. Et bien, au fait, il a fait son nom en reculant à son poste, devenant un piston gauche ou un latéral gauche. Et c'est là qu'on a dit, waouh, avec ses qualités offensives, sa capacité de percussion, de venir de l'arrière, ben tu l'as mentionné, c'est vrai, beaucoup vont dire qu'il fait partie des top 5 meilleurs latéraux gauche au monde. Et n'oublions pas, il a fait partie des meilleurs 11 FIFA il y a juste 2 ou 3 ans. Donc, ça démontre qu'à gauche, il a ses qualités. Là, il me fait penser un peu à David Alaba, qui a joué pour qui lui était un défenseur à son club en Allemagne et au Bayern Munich. Mais à l'équipe nationale, il jouait milieu offensif, milieu défensif, ailier, des fois même attaquant. Et je trouve que ce n'est pas la meilleure chose à faire parce qu'on ne maximise pas la meilleure qualité du joueur. C'est-à-dire, où est-ce qu'il joue en club? C'est là que c'est sa force. Là, le Canada doit trouver une façon de trouver le ballon et de pouvoir avoir Alphonso Davies utiliser ses capacités de percussion régulièrement. Et oui, contre Trinidad Tobago, c'est pas facile parce que clairement, n'oublions pas, les joueurs de Trinidad Tobago ou de la Jamaïque, c'est un peu des joueurs qui ont des mêmes capacités ou même meilleures qu'Alphonso Davies au niveau de la vitesse, de l'explosivité. Donc, je ne suis pas surpris qu'il ne passe pas aussi facilement contre certains des joueurs de ce type de pays-là, parce qu'en Europe, il est considéré comme un des joueurs les plus rapides dans les championnats européens et dans les gros clubs. Mais quand il joue contre la Jamaïque pour avoir affronté, il y a beaucoup de marchands de vitesse, il y a beaucoup de joueurs qui ont autant de qualité, si on peut dire, athlétique que lui. Là, pour moi, c'est que est-ce que dans le jeu, on est capable de jouer pour que Alphonso Davies, même Tejan Buchanan, soit isolé dans des 1 contre 1. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, la majorité des équipes en CONCACAF, ils le savent. Attention, on ne peut pas lui donner de l'espace. On ne peut pas lui donner des 1 contre 1. Il l'a prouvé par le passé et même à la dernière qualification de Coupe du Monde. Là, c'est le Canada d'être, pour moi, au milieu, pas juste Kone ou Stakio, mais peut-être aussi, c'est là que je pense qu'un style de joueur comme Junior Olette, il va manquer au Canada parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs comme ça capables de jouer entre les lignes, capables d'être créateurs pour que les autres équipes se concentrent sur ce type de joueurs-là et donnent de l'espace à Alphonso Davies, à Tejan Buchanan, pour qu'on les oublie un peu. Parce que là, tout le monde sait, quand ils veulent donner le ballon à Tejan Buchanan, ils veulent donner à Alphonso Davies. Tu as vu le match contre Trinidad et Tobago. Dès que c'est allé sur le côté, on a coulissé et on a condensé l'espace. Mais quand on va avoir plus de joueurs au milieu, pour moi, qui vont être capables de bouger le ballon et de mener le jeu, ça va permettre qu'on puisse utiliser Alphonso Davies à son meilleur. Ça, c'est mon avis. Mais je suis comme toi, je ne pense pas que c'est le meilleur de le lancer à l'attaque. Oui, des fois, quand il faut lancer à l'attaque parce qu'on veut aller à l'avant, peut-être des matchs contre l'Argentine, tu vas vouloir aller en contre-attaque parce qu'on aura fort probablement moins le ballon contre l'Argentine, le Pérou, le Chili.
Mais je pense que sa meilleure position, c'est de jouer à son poste régulier en club, qui est piston gauche ou latéral gauche, parce qu'il a des capacités de venir de l'arrière. Il est très dangereux. Et c'est là qu'il a son meilleur. Pat, tout le monde au Canada va voir le plus de joueurs offensifs sur le terrain en même temps. C'est normal. Oui. Mais la réalité, c'est qu'avec pas beaucoup de camps, avec pas beaucoup de chimie, dans un tournoi comme une Coupe du Monde, contre des nations de foot incroyables, tu ne peux pas être débalancé parce que les autres équipes vont te manger tactiquement. Avec la ligne de défensive qui est la moins forte des trois ou quatre lignes de l'équipe nationale, quelle formation penses-tu avec les joueurs qu'ils ont, mais aussi contre des équipes qui vont jouer à la Coupe du Monde, serait la meilleure formation possible pour ce club-là? Parce que avec ces trois défenseurs-là, Pat, je pense que tu n'as pas d'autre choix, soit d'avoir un défensif à 5, comme un 5-4-3, un 5-4-1, ou un 4-5-1. Tu peux aller avec un 3-5-2. Évidemment, tes pistons, ils vont se servir comme un latéral gauche puis un latéral droite. Qu'est-ce que tu penses, Pat? Ce serait le mieux pour l'équipe nationale? Ben, pour être franc, ça va dépendre contre qui ils jouent puis quelle sera leur idée. Mais c'est clair, tu l'as dit, avec cette formation-là, tu peux tenter d'être très offensif. Mais quand tu vas jouer contre des équipes, là, on répète, là, ce qui est bien pour le Canada, c'est qu'ils vont jouer aux Pays-Bas. On sait qu'ils vont affronter l'Argentine, Pérou et Chili. C'est des équipes, normalement, qui risquent d'avoir un peu plus le ballon que toi. Donc, tous tes joueurs offensifs ne pourront pas exploiter tout le temps leur qualité offensive. Peut-être qu'il va falloir jouer contre certaines équipes avec, oui, trois dans l'axe, mais peut-être des vrais pistons défensifs. Sam Adekube, peut-être mettre Alistair Johnson à droite, puis avoir un autre défenseur central comme Bombito ou Cornelius dans l'axe pour que défensivement, tu es solide et que tu vas peut-être contre-attaquer avec la vitesse de David, d'un Alphonso Davies et compagnie. Si c'est ça, c'est le game plan. En CONCACAF, tu peux te le permettre parce que tu es une des forces de la CONCACAF et tu as certains des meilleurs joueurs en CONCACAF facile. Mais quand ça va être affronté des plus grosses nations, j'espère que l'expérience de 2022 contre la Belgique, surtout contre la Croatie, on s'en rappelle, que là, l'entraîneur, parce que Mauro Biello est là, mais on ne sait pas encore est-ce qu'il va être là pour les deux prochaines années, on lui souhaite, qu'on trouve une assise, je dirais pas juste formation, mais qu'on va être capable d'attaquer quand il le faut, mais bien défendre contre des nations qui sont peut-être plus fortes que nous, puis de respecter qu'ils ont plus de qualité dans le jeu que nous, et d'avoir des bonnes assises défensives. Parce que tu l'as mentionné, c'est vrai, notre défensive, elle n'est pas reconnue mondialement. Mais il va falloir trouver des idées qui vont permettre de gagner les matchs 1-0 ou les matchs serrés et de compter sur nos qualités offensives des Tejan Buchanan, Jonathan David, on les nomme, on les connaît tous, de faire la différence à l'avant avec les joueurs qu'on a. Et peut-être même sortir du banc, ces joueurs-là, parce que c'est des joueurs qui ne sont peut-être pas toujours partants dans les grands matchs que le Canada va jouer. Pat, est-ce qu'on s'entend pour dire que Koné ou Stakio, ça c'est sûr, là, c'est les deux milieux de terrain central qui vont être là d'ici deux ans, au moins de quelque chose d'incroyable qui va se passer. Là. Donc moi, je verrais d'un bon œil peut-être un 4-2-3-1. T'sais, je pense qu'avec les éléments en place, ça pourrait être intéressant parce que évidemment, tu t'as parlé d'Adekube à gauche, puis peut-être Johnston à droite, puis deux défenseurs centrales. Là, des deux sont être Koné puis Oustakio. Puis là, ensuite, les trois, tu sais, Koné puis quelqu'un d'autre, puis Oustakio peut-être. Je pense que ça pourrait être intéressant. Mais on vient de parler d'Alphonso Davies, mais tu corrigeras aussi, mais Buchanan, il n'a pas sauté grand homme non plus, là. À un contre un, là, c'était pas son meilleur match, là. Non. Écoute, le match, le Canada l'a gagné et a fait le nécessaire, se qualifier. Et fort probablement, on joue le couteau dans les dents, on est serré, on se rappelle la défaite qu'on a à Jamaïque. Fait que les matchs ne sont pas aussi emballants qu'on a été habitués pendant la qualification de la Coupe du Monde.
Mais Téjean, lui, c'en est un autre. On va lui donner. Il vient juste de changer de club. Il y a sûrement une adaptation. Il a la confiance. Il y a tout ça qui rentre. Mais oui, il y a des joueurs qui ils doivent rehausser. Puis ce que j'ai aimé du discours de Mauro Biello, c'est que oui, on a parlé de brotherhood, fraternité, dans le temps de John Herdman. Mais là, les gars doivent revenir sur terre. C'est que, un, tout le monde vous attend en CONCACAF. Deux, on n'est plus à la Coupe du Monde. On fait plus, on n'a plus l'élément de surprise. Trois, ces joueurs-là jouent maintenant dans les plus gros clubs. Il y a l'ego qui rentre là-dedans. On ne va pas se cacher. Tout le monde maintenant sait qu'il est un grand joueur pour le Canada, joue dans un grand club, veut plus de place, veut plus de responsabilité, veut devenir le tireur de pénalité, veut pas sortir quand il faut. Et l'adage de Mauro Biello, c'était « Canada first ». Parce que ce que j'entendais de la dernière année, c'était un peu ce qu'on a toujours vu du Canada. C'est les joueurs performent en club, puis là, oh, on arrive en sélection nationale et on ne performe pas au même niveau. Donc, Téjean Buchanan, oui, on s'attend à plus de lui. Et c'est normal, il joue à l'Inter de Milan maintenant. Donc, l'expérience qu'il prend là, les gens s'attendent à ce qu'il la transpose au Canada et on voit un next level Téjean Buchanan. Pas le gars en 2021 que personne ne connaissait. Là, c'est le gars en 2024 qui joue à l'Inter de Milan qui doit aussi prendre des responsabilités dans cette équipe. Parce qu'on dit, tout le monde parle beaucoup d'Alfonso Davies et Jonathan David, mais il n'y a pas que ces deux-là. Il y en a d'autres, là. Eustachio, maintenant capitaine. Kone, tu l'as mentionné. Il n'est pas vieux, là. 22 ans, il est au milieu de terrain. Il a encore de la place à grandir, mais on s'attend à ce que ces gars-là apportent plus, qu'ils mettent leurs pattes dans cette équipe-là, puis qu'ils démontrent au coach. C'est notre équipe, coach. Oui, tu vas nous donner la formation, mais on va prendre nos responsabilités. Et dernièrement, je n'ai pas trouvé que tout le monde a haussé son jeu, là, que tout le monde était un peu, pas caché, mais sur l'effet de 2022, d'avoir pas aussi bien performé qu'on le voudrait à la Coupe du Monde. Et Téjean Buchanan, il en est un qui a besoin de hausser son niveau de jeu. Patrice, on va regarder les changements qui ont été faits par Mauro Biello. Shane, si tu peux me montrer ça. OK, là, tu as évidemment, à la première mi-temps, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé à part quelques cartons jaunes. Là, la 61e minute, ça débloque. Ça débloque pour Kyle Larin, qui met le Canada en avant par la marque de 1-0. Un tir du pied gauche, Larin, lui, qui en avait raté un beaucoup plus facile que ça dans la première demi. Mais à la fin, Pat, c'est toujours lui pour le Canada. Hein? C'est toujours Kyle Larin. Ouais, tu écoutes, moi, je n'ai pas de cacher. Je regardais le match et j'étais comme... Parce que c'est pas facile pour lui, Kyle Larin, présentement, à aller en club. Et même dans le match, c'est comme... Kyle n'est pas aussi impliqué. Mais il finit par marquer des buts importants. La marque des buteurs, il l'a. Même que la pièce de jeu était très bonne, un ballon qui rentrait à l'intérieur, que Ugbo a juste légué, puis Larin est arrivé, ouais. A bien placé ça du pied gauche. C'était ça qu'il fallait pour battre un bloc défensif comme celui que Trinidad Tobago a mis en place. Mais je suis mon opinion, c'est que si on veut avancer en niveau tactique, stratégique, les deux, autant que ce sont des exceptionnels attaquants, David et Larin, je pense qu'on ne pourra pas avoir les deux régulièrement sur le terrain. Si on veut offrir autre chose et démontrer à l'adversaire qu'on est dangereux d'une différente façon, je répète sur le profil Junior Hoilett, ces milieux offensifs qui sont capables de jouer entre les lignes dans les pochettes. Moi, je pense que là, tout le monde commence à comprendre Larin et David. Et Larin ne bouge pas beaucoup. C'est un box striker, un gars de surface. Ouais. Et David est capable de venir entre les lignes. Mais à un moment donné, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de mouvement dans le milieu. Et moi, si j'étais d'avis, les deux commencer régulièrement. Oui, un coach va vouloir le faire. N'oublions pas, dans le passé, il y a des grosses équipes qui léguaient un des meilleurs marqueurs sur le banc. On n'a pas toujours vu David Trezeguet être partant à l'équipe de France. Il venait du banc. Parce qu'on n'avait pas de place pour lui, Henri et les autres. Si on veut évoluer, je pense, au niveau d'offrir d'autres choses, Larin, autant que c'est un excellent marqueur, il va falloir faire un choix pour moi. Il ne pourra pas avoir les deux régulièrement sur le terrain. Un va devoir devenir le joker de luxe, parfois, pour l'entraîneur en question. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Igbo? J'ai trouvé qu'il est bien, mais c'est trois profils, moi, je trouve, similaires. Comme, ils ne sont pas pareils, ce n'est pas le même joueur. Mais je trouve que c'est trois joueurs qui ont besoin d'espace pour s'exprimer. Jonathan est peut-être le meilleur à pouvoir venir contribuer au milieu de terrain.
Ugbo, excuse-moi. Là, c'est Ike Ugbo. Je pense que je l'ai dit Igbo. C'est Ugbo, ouais. Excusez-moi. Ike Ugbo, c'est un bon joueur, mais je trouve qu'il il ressemble à Kyle Larin et Jonathan David. C'est, mais tu sais, voilà, on en a beaucoup parce que, oublions pas, on a quand même Jason Russell Rowe qui fait très bien à Columbus, qui est un autre gars qui a de la vitesse, qui aime bien la profondeur. Mais je trouve que c'est similaire. Moi, on dirait qu'il manque des attaquants un peu plus mobiles, un peu plus créateurs. Ça, c'est mon opinion de ce que je vois. Ça ne veut pas dire qu'on... Tant mieux. On a 5-6 attaquants de cette qualité-là. Faut pas. Et oublions pas, je pense qu'on oublie... on a un jeune Québécois qui joue en Hollande aussi. J'ai oublié son nom, ça m'échappe. Présentement, qui est un autre attaquant aussi, qui sont des marchands de vitesse, qui exploitent la profondeur. Mais on a besoin des joueurs qui sont capables de jouer... Tu veux dire Charles Brim? Oui, Charles Brim, on l'a apporté. Ouais. Je trouve que c'est tous des joueurs qui ont un peu le même moule. Ils ne sont pas pareils, mais ont le même moule. Ouais. Et ils manquent de milieux offensifs, de créateurs, de joueurs qui sont capables de provoquer les choses entre les lignes. Ça, c'est ce que je trouve qui manque là, au Canada. Ce, je ne vais pas dire numéro 10, mais ce joueur qui est capable de faire un peu comme Dominique Yankov, là, ce type de joueur-là. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de Yankov. Au fait, il est Canadien-Bulgare. Il aurait peut-être pu jouer pour le Canada. Dans les substitutions qui ont été faites, Schaffelberg a rentré à la 70e minute pour Ugbo. Jason Russell Rowe a rentré pour Larin à la 81e minute. Chouanière a rentré pour Tejon Buchanan à la 81e minute aussi. Il y en a d'autres. Et là, tu as eu Luc de Fougerolle qui est rentré à la 90e plus 3 minutes pour Koné et Piet qui est rentré à la même minute pour Oustakio. Qu'est-ce que tu as pensé avant qu'on y va au but de Schaffelberg? Qu'est-ce que tu as pensé du match d'Ismaël Koné? Bon, je trouve que Ismaël, il est bien, il joue bien. Je trouve qu'il joue juste. Moi, j'aimerais que quelqu'un soit derrière lui parce que je trouve qu'on ne voit pas son apport offensif. Parce que là, il joue central. Il est un peu menotté. Il y a tellement de joueurs offensifs qu'on lui, il joue le système. Oui, exactement. Mais parce qu'il joue avec le Stakio, pas le choix d'être ceux qui sont des récupérateurs, distributeurs. Et on sait qu'Ismaël, il a une capacité à aller vers l'avant. Est-ce que c'est Samuel Piette à jouer devant eux pour enlever, si on peut dire, des tâches défensives et ou de libérer à voir aller attaquer? C'est pour ça que je dis, il manque ce joueur qui fait soit le lien de transporter le ballon, comme Ismaël Koné est capable, même Steven Ostakio. Ouais. Je suis convaincu qu'offensivement, il peut apporter encore plus. Donc, est-ce qu'il faut avoir un joueur derrière eux pour leur permettre d'aller vers l'avant? Et comme tu l'as dit, pas être menotté parce que dire, hey, si je vais à l'avant, ben, il y a un trou en arrière. Peut-être. Mais Ismaël, il a bien joué. Mais, puis, n'oublie pas, il a 22 ans. Je pense qu'il a encore une autre coche qu'il peut atteindre. Mais j'aimerais voir plus de lui. J'aimerais qu'il devienne un peu le patron. Lui et Steven Ostakio, vraiment les animateurs du jeu ensemble. Et pourquoi pas avec un troisième, ce serait intéressant. Schaffelberg, dès son entrée, on a vu quelque chose de différent. Pat, j'adore ce joueur-là. Je pense qu'il a un très beau potentiel. Il n'a pas marqué beaucoup encore en MLS, mais il a marqué 2 buts grandioses contre Inter Miami il y a quelques semaines de ça. Écoute, je le connais très bien parce que lui, à un moment donné, il jouait pour une école au Massachusetts qui s'appelle Berkshire. Puis il jouait avec eux, puis aussi il jouait avec l'Académie du Black Rock. Et ensuite, il s'est joint à l'Académie de Toronto. Il a joué avec l'équipe, c'était quoi? Il me semble que c'était l'équipe réserve au TFC3 dans le temps. Il a joué avec eux autres. Il a joué dans la USL. Il a joué un peu partout, mais partout est-ce qu'il a passé? Le kid, il a marqué des buts. Mais pas encore beaucoup dans l'MLS, comme je viens de dire. Malheureusement, pas beaucoup avec Toronto non plus. Il me semble qu'il y avait trois buts en 45 ou 46 matchs. Mais Pat, pour moi, pas seulement un des meilleurs pieds gauche, mais moi, j'ai une question pour toi. C'est quand tu as vu, la dernière fois, tu as vu un joueur avec l'équipe nationale du Canada qui a un frappe aussi puissant que Schaffelberg? Non, tu as raison. C'est quelqu'un qui, quand il arrive, il arrive avec son énergie, sa vitesse, mais aussi sa capacité à, quand il frappe au but,
tout le monde se lève de son siège parce que tu sens que ça pourrait être une occasion. Puis Toronto FC, ils vont regretter. On sait que c'est pour des raisons de masse salariale. Ils l'ont laissé partir à Nashville. Mais tu vois qu'il a quelque chose, ce jeune-là. Puis il est pas encore poli. Il n'est pas encore raffiné. C'est un joueur qui utilise vraiment sa fougue de jeunesse. Puis ça frappe. Fait penser un peu à Rocco Placentino à un certain degré. T'sais, je fais juste comparativement parce que Rocco avait cette capacité d'accélérer, d'être fougueux puis d'avoir une frappe sèche. Mais Schaffelberg, peut-être plus précis à frapper au but. Mais c'est bien d'avoir cet outil-là sur le banc, d'un joueur qui peut rentrer, qui n'est pas Alfonso Davies et qui t'emmène de la vitesse, puis qui en plus est dernièrement décisif dans son club et qui va finir par être, je pense, meilleur à travers le temps. Donc, Mauro Biello a fait des choix de jeunesse et ça a porté fruit avec Schaffelberg. C'est un joueur qu'il faut bien utiliser comme remplaçant de luxe. On va regarder 3-4 points vite. Je sais que tu as une obligation radio aujourd'hui, donc je vais te laisser. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que Schaffelberg pourrait être le prochain Alfonso Davies de la MLS? Ça veut dire un allié gauche qui a capté l'attention d'un club en Europe pour finalement soit le mettre à gauche ou le mettre peut-être comme latéral gauche, même s'il n'a jamais joué cette position-là. C'est juste une question comme ça, parce que comme tu sais, les gauchers dans le monde du soccer, il n'y en a pas beaucoup. Puis ceux-là qui sont là, ils sont très convoités. Maintenant, la Coupe América, dont Schaffelberg marque un passe de David, il reçoit le ballon, sur sa gauche, tout un frappe, boum, c'est 2-0. Le Canada est qualifié pour la Coupe América. On va regarder les groupes, Pat, vite. Oui. Donc, c'est ça le groupe, groupe A du Canada, Argentine, Pérou, Chili, Canada. B, c'est Mexique, Ecuador, Venezuela, Jamaïque. C, c'est les États-Unis, Uruguay, Panama, et Bolivia, D, c'est Brésil, Colombia, Paraguay, Costa Rica. Ça, c'est les groupes. Les trois prochains matchs du Canada. Le voilà, le 20 juin, à Atlanta contre l'Argentine. Là, ensuite, ils vont jouer le 25 juin à Kansas City. Là, ils vont jouer contre le... Pérou. Le Pérou, et contre le Chili le 29 juin à Orlando. Pat, ça veut dire que les joueurs du CF Montréal, avec la Copa América, ils vont rater 3-4 matchs. Ça veut dire Piet, ça veut dire Waterman, ça veut dire Chouanière, ça veut dire Sirois, puis il y en a d'autres, là, avec d'autres clubs, tu sais, Ariel Lasseter. Oui, c'est un fait, on oublie. Qui sait, peut-être Joseph Martinez, on ne sait jamais. Oui, exactement, c'est vrai. Ça va être une période, on est content d'avoir la Coupe América. Maintenant, pour le CF Montréal, qu'est-ce que ça veut dire? Mon effectif, Laurent Courtois, c'est sûr, il teste toujours son groupe, mais de vraiment voir l'étoffe, la profondeur, parce qu'il potentiellement, on ne sait pas, tout le monde va être sélectionné, mais ceux qui ont été sélectionnés dernièrement ont de fortes chances d'être absents en fin juin, et même peut-être plus tôt, parce que les camps, ça ne commence pas le 20 juin. Les camps commencent deux semaines ou trois semaines plus tôt. On se rappelle, tout le monde avait peur, le match Lionel Messi va tomber quand? Parce que si c'est au mois de juin, on ne verra peut-être pas Lionel Messi. C'est pareil pour les joueurs sélectionnables au CF Montréal, pour le Canada, mais pour les autres nations qui sont représentées là, tu l'as dit, pour le Venezuela et compagnie. Donc, Laurent Courtois va falloir qu'il toste son groupe pour voir comment on peut vivre sans ces joueurs-là, parce qu'ils vont être partis pour 2 à 3 semaines, potentiellement, si ce n'est pas plus longtemps pour certains. Et comme dit HD, George Campbell aux Jeux olympiques, dont en espérant, Patrice, qu'il n'y aurait pas des blessés pour le CF Montréal, parce que sinon, ça va vraiment tester la profondeur arrivée au mois de juin. Patrice, encore une fois, merci infiniment. J'apprécie et je te laisse aller pour faire ton bloc à la radio. Merci. Et n'oubliez pas, on a un gros mois au mois de mai pour le CF Montréal, beaucoup de matchs. Donc, juste avant d'aller là, le groupe va être testé au mois de mai avec plusieurs matchs et le championnat canadien qui s'en vient. Merci, Pat. Tu as raison. Merci, en parlant du CF Montréal, ils se sont entraînés plus tôt aujourd'hui au Centre Nutrilet. Ils vont s'entraîner là toute la semaine, évidemment, vendredi. Ils vont partir pour Washington parce qu'ils vont visiter le DC United samedi prochain. Donc, le voilà, on a parlé plus des joueurs du CF Montréal qui ont joué pour l'équipe nationale
aujourd'hui que le CF Montréal, qu'eux autres, ils ont eu un entraînement aujourd'hui. On va parler plus du CF Montréal jeudi, si tout va bien. Nilton George va se joindre à nous. Malheureusement, Ali Gerba n'était pas avec nous aujourd'hui. Ça veut dire qu'Ali, évidemment, il était trop occupé au travail, puis c'est correct comme ça. Encore une fois, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur l'application X, sur @SickPod, CFMTL. On a un compte Instagram sur le même avatar, SickPod, CFMTL aussi. Et évidemment, vous pouvez vous abonner à notre compte YouTube. C'est gratuit pour tout le monde. Donc, merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez aimé. Et bravo au Canada, qualifié pour la Copa América. And that's a wrap. Hope you don't miss us too much until next time. Follow the Sick Podcast, CF Montreal Talk on YouTube, Instagram, Facebook, Google Play, and Apple Podcasts.